moi. On espère que vous allez bien, nous ça va aussi. Donc aujourd'hui on va vous sortir une recette spéciale apéritif, c'est les champi apéro. C'est comme ça qu'on les a appelés. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc si vous avez des amis, vous voulez faire une recette rapide pour l'apéro, et ben on vous montrer tout ça dans la vidéo qui suit. C'est parti, let's go. Pour les ingrédients, aujourd'hui il vous faut des champignons, donc des assez gros champignons quand même, et du saint-moré, donc rien de plus simple. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc, pour commencer votre recette, rien de plus simple, vous prenez vos champignons et vous venez enlever la queue du champignon, bien comme il faut. Vous essayez de laisser, voilà, la tête avec un gros trou comme ceci. La queue des champignons, après vous pouvez la couper, l'émincer et vous en servir dans les pâtes avec une viande. Voilà, une fois que vos champignons, vous avez enlevé la queue, tout simplement on va venir les faire cuire dans du beurre à la casserole, donc de chaque côté. Commencez côté chair, vous les faites colorer, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient bruns après, ensuite. Et ensuite de l'autre côté, une fois qu'ils sont cuits, on voit la suite. Pendant que vos champignons cuisent, il faut vous préparer une poche à douille et une douille cannelée, donc vous voyez, avec les dents là. C'est vraiment pour l'esthétique du champignon. Vous prenez votre saint-moré et vous venez le mettre dans votre poche à douille. Moi j'ai à peu près une dizaine de champignons. Donc là ça fait 220 grammes. Donc je vais prendre à peu près la moitié, 110 grammes. Plus vous avez de champignons, plus il vous faudra du saint-moré. Votre saint-moré dans votre poche. Que vous venez écraser un petit peu comme ça. Pour qu'il soit un peu plus facile à travailler. Voilà, c'est très rapide. Voilà, maintenant on attend nos champignons. On met ça au frais. Une fois que vos champignons sont bien pris, enfin sont bien colorés, vous pouvez le voir, on les fait prendre quelques minutes au froid pour que quand on mette le saint-moré dessus, ils ne fondent pas. Donc c'est parti, on va les mettre quelques minutes au frais. Une fois que vos champignons sont froids, vous prenez votre poche et vous venez mettre votre saint-moré par-dessus comme ceci. Vous avez des beaux champignons au saint-moré pour l'apéro. Donc c'est parti, vous n'avez plus qu'à servir un verre de rosé avec ça. Et faites goûter ça à vos amis. C'est parti, on passe à la dégustation. Donc voilà, on a fini nos champis apéro. On va pouvoir passer à l'apéro avec un verre de rosé. Mais avant, on va goûter tout ça pour voir si c'est bon. Donc c'est parti, on va goûter. Non, c'est celui que je voulais prendre. Non, non, c'est bien. Le petit. Il est tout petit. Oui. Mais... une recette très simple à faire. Elle va vous prendre 2-3 minutes. Ouais. Vraiment, c'est très très rapide. C'est super bon. Et puis, c'est assez léger quand même. Hein. C'est pas un truc bourratif. Vous savez, quand vous faites des apéros où les gens ils ont plus faim après, là non, vous faites ça. Les gens ils auront encore faim après. Donc, on vous conseille de le refaire chez vous. De nous envoyer en commentaire si vous avez bien aimé, pardon. Vos photos sur Instagram. Et puis, on vous dit à la prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Hello les... Attends. Tu fais du bruit toi, descends. Descends. Tu fais un boucan là. Oh. Oh. Un, oh. Trois. Putain, mais les malades, tu fais. Mais surtout, la table. Vous montez sur la table. Tu montes pas sur la table depuis quand? Tada. Oh, c'est trop mignon. C'est ce qu'il faudrait mettre un peu de persil. Oui, ben on n'en a pas. C'est comme ça, c'est la vie. Vous avez compris? Vous mettez un peu de persil dessus. Un peu de persil. Mais nous, on n'en a pas. Tant pis. Ok. Il y a rien de compliqué. Mais franchement, c'est super bon. Trop, trop bon. Donc voilà. L'assemblage, en fait, on fait que fini. Franchement, attends, vas-y, je recommence.